J'ai 12 ans. Oui, j'ai braqué une bijouterie dans le 9-3. Je suis en faute et je le comprends. Et je risque de m'enfoncer. Quand on fait de la prison jeune, on y passe toute sa vie, dit-on. Autour de moi, les gens s'agitent. Vous savez, une nouvelle loi, c'est comme les réformes de l'éducation. C'est toujours dur la première année. Tous me le disent. C'est tout nouveau, t'es mal tombé. Je vais être envoyée en prison. Non, plutôt dans un centre éducatif fermé. Un bel euphémisme. Je n'irai plus au collège. Je n'irai plus, comme chaque mercredi, à mon entraînement de foot. Non, je serai en prison. Les policiers, les avocats, les juges me l'ont tous répété. Vous êtes tous pareils. Vous violez, volez, tuez. Vous ne serez jamais de bons citoyens. Tu sais, toi, ce que c'est être un bon citoyen ? Avoir des idées ? Les défendre ? Non, avoir le droit de les défendre. Explique-moi donc, quels sont ces devoirs civiques ? Le droit de vote, dit-on, mais dans notre chère nation, à quel âge avons-nous le droit de voter ? Ah oui, à 18 ans, quand nous avons atteint la majorité. Et à quel âge sommes-nous dignes à être incarcérés ? Quoi ? 12 ans ? Même plus 13 ? Oh tiens, ces beaux discours sur responsabilité, où sont-ils ? J'ai 12 ans. Les juges m'enferment dans un centre de redressement, car je dois répondre de la gravité de mes actes. Mais étrangement, je ne suis pas, selon eux, assez mature pour exercer mes droits civiques. J'ai peur. Ils le savent que j'ai peur. Mais cela ne change rien. Ils me font rire, ces individus qui veulent remettre la peine de mort afin de vider les prisons. Ah oui, parce que c'est injuste. Les prisonniers, cela coule douce, selon eux. Dans leur chambre, ils ont le câble et le loisir de faire leur petit footing chaque jour. Bien sûr, tout est tellement plus simple quand on ignore la réalité. Moi, je préfère regarder la vérité en face. Je serai avec des adolescents de 16, 17 ans. Ils auront violé. Moi, j'ai volé. Ils me parleront du jour de ma sortie, du moment où je pourrai recommencer. Que pourrais-je répondre ? J'écouterai en silence. J'ai 12 ans. J'ai été entraînée par mes copains. Est-ce que cela me dédouane ? Bien sûr que non. J'ai braqué une bijouterie et on me jugera pour la totalité de mes actes. Ils m'ont demandé « Pourquoi tu fais cela ? Pour t'amuser ?» Cela m'a fait presque sourire. Je ne peux pas répondre, juste me poser cette question. Comment suis-je arrivée là ? J'ai souvent l'impression d'être rejetée par la société, enfermée dans un ghetto, prêt à me révolter. Pourquoi ces émeutes à Clichy-sous-Bois ou à Villiers-le-Bel ? Pourquoi ces véhicules incendiés et cette vague de violence à travers toute la France ? Ces révoltes sont vraiment injustifiées ? Non, il y a une raison. Je le vois tous les jours à la télé. C'est pour ça que cela ne m'étonne plus. Un violeur récidiviste de 17 ans tue une jeune fille. Banalité. Un adolescent de 16 ans retrouvé poignardé, un parent d'élève suspecté, quelle importance ! Tout est dans le mot « fait divers ». C'est notre société errant la cruauté normale et quotidienne. Que faire alors ? Si les juges m'avaient donné le choix, peut-être aurais-je opté pour des travaux d'intérêt général qui m'auraient aidé à prendre conscience de la gravité de mes actes. Au collège, c'est toujours pareil. Un commissaire vient, nous sermonne sur le recel, le trafic de drogue. Et il repart aussi soudainement qu'il est arrivé. Il est venu combien de fois, ce commissaire ? Une, deux fois, maximum. Quand avons-nous vraiment été sensibilisés à ces notions citoyennes de sécurité et de justice ? Je vous remercie. Pourquoi ? Parce que vous m'avez écouté. C'est simple, mais c'est ce qui me manque. Je vais être enfermée, et la seule liberté qui me reste est celle de m'exprimer. Ce qui fait la force de la citoyenneté, c'est d'exposer ses idées. Je vous ai exposé les miennes. Vous ont-elles émues, interpellées, bouleversées ? En tant que futur citoyen, je m'en remets à votre sensibilité et votre jugement.